Sous-marinier Lefebvre, 34 ans, seul rescapé de la mission Otaris. Sous-marin Le Vaillant, matricule 442. Cet entretien est enregistré. Vous allez me raconter avec précision ce dont vous vous souvenez. Ma femme était enceinte de notre fille ce jour-là. J'étais heureux. Cette mission devait être la dernière. Mais on tombe dans un traquenard. Il est 14h et le sonar détecte une première torpille. Dieu, nous ne sommes pas morts à cet instant. Mais quand la torpille nous a percutés, j'ai compris qu'elle avait fait une fissure dans la coque à côté du moteur central. Et ce type de problème n'est réparable que de l'extérieur. Et la coque ne pouvait pas résister longtemps si on redémarrait le moteur. Alors pendant plusieurs minutes, j'ai essayé de dissuader le capitaine, mais il ne voulait rien entendre. On courait à notre perte. Et c'était insupportable. J'ai entendu ma fille m'appeler. Alors j'ai quitté mon poste. J'ai couru toutes mes forces jusqu'à la salle d'évacuation. Dégage! Bougez de là, les gars! Ouvre-toi! Ce jour-là, j'ai écouté mon instinct de survie plus que mon honneur. J'ai trahi mes frères. Et j'aurai leur mort sur la conscience toutes les nuits. Mais je serai là pour elles. Lefebvre, je suis conscient de l'épreuve que vous avez traversée, et j'en suis navré. Mais vous allez devoir passer devant la cour martiale. Sachez que vous risquez une lourde peine pour haute trahison. Tâchez d'être un bon père.